Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un peu ma routine au niveau des cosmétiques que j'applique sur mon visage. Alors ça c'est juste une partie des produits que j'utilise, les autres produits je vous montrerai dans une autre vidéo. Alors ici ça vient de chez Cadalis, franchement je valide vraiment ce produit là, il est juste génial. Donc alors ce produit là c'est à la banane verte et au riz rouge et noir. Donc c'est 99,5% d'origine naturelle. Et c'est vegan ce produit là, donc voilà. Alors où ça a été acheté, bon ça c'était un cadeau hein. Donc normalement peut-être c'est quelque part dans Paris, mais vous dire où exactement je ne sais pas vous dire le nom de la boutique, mais voilà, franchement il est juste vraiment top de chez top. Alors on va d'abord commencer par un autre produit avant d'appliquer sur le visage. Moi j'aime bien de commencer d'abord en dessous des yeux et j'utilise de l'huile bio, l'huile de coco. Donc ça, j'ai acheté ceci sur Pharmaline et la marque c'est Nu3, tout simplement. Vous voyez, hop, je mets un peu ici sur le doigt et on va tapoter un peu là-dedans. Donc ça a pour but vraiment pour hydrater la peau. Hein. Si vous avez la peau fort sèche, je vous conseille à l'huile de coco, c'est vraiment le top de chez top. Vrai que pour le visage, c'est pas mal aussi, mais attention que ça risque de laisser un film fort gras, donc il faut vraiment en mettre un petit peu quoi, pas de trop, voilà, comme ça, on tapote un peu, hop, voilà, déjà ici c'est fini. Ensuite, on va prendre la crème, ça c'est une crème de jour, hein, d'accord, bon, je sais qu'il y en a déjà plus beaucoup, mais, il y a ici la crème, je te parie qu'il y en a déjà plus. Là, ici, oh, ça aurait été mieux de mettre un bandeau, c'est vrai. J'aurais dû y penser. Hop là. Donc on va faire à la one again, c'est pas grave. Hop là, ici. Donc bien appliqué. Ça. Elle hydrate très très bien la peau. Hop là. Et voilà, déjà